Bonjour Monsieur le maire. Oui, bonjour. Je suis Madame Albéry Agnès pour canalgenette.com. D'accord. Pour quel événement êtes-vous chez les Mille Fleurs et Albéry? Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être invité par mon collègue Lucas Albéry qui organise une nouvelle structure d'aide de cours de soutien scolaire. Et c'était tout un honneur pour moi d'être présent ici pour lui donner la force pour pouvoir faire en sorte qu'un jeune du Gosier puisse développer l'éducation sur le territoire du Gosier. Très bien. Le plus fort avez-vous développé pour le Gosier? Alors c'est vrai que nous on a un vrai combat avec l'eau et les déchets et notamment l'éclairage public qui est un vrai problème sur le secteur du Gosier. Mais déjà le point fort que nous avons mené c'est qu'on a mis en place le conseil municipal bénévole, le conseil municipal ouvert, on a lancé l'audit, on a lancé le PLU et après depuis 85 on espérait la route de Béline et bien nous sommes arrivés, la route de Béline est faite. Et aussi on travaille sur Grand Bay, parce que Grand Bay doit être refait. Et aussi on a un vrai projet d'installer dans les mois qui viennent un marché délocalisé. Celui de la Dacha, il empêche le vendredi les voitures de circuler librement, donc il sera déplacé. Et on va mettre un guichet unique aussi en dehors du bourg où on va avoir la région, le département, Pôle emploi, les impôts, une police municipale, annexe de mairie. Donc en gros, on va être en plein chantier durant ces 6 ans. Très bien. La population du Gosier vous a élu et vous apprécie. Dites-nous vos 2 mots, vos sentiments. Ah ben moi je suis très content, c'est un rêve d'enfant d'être maire de la ville du Gosier. En plus la cerise sur le gâteau, je suis président de la Riviera du Levant. Je ressens l'amour des habitants du Gosier et il est réciproque. Et en plus de ça, l'amour aussi des habitants de Sainte-Anne, Saint-François et des Irades. Donc pour moi c'est vraiment que du plaisir et du bonheur d'être à la place où je suis actuellement. Très bien, félicitations. Merci. Merci monsieur le maire. Bonjour monsieur Lucas Albéry. Bonjour. Je suis madame Agnès Albéry, vous, canalgenette.com. D'accord. Comment avez-vous l'idée d'installer un centre de soutien scolaire au Gosier? En fait, le centre de soutien scolaire, c'était une idée depuis au moins 2 ans que ça trottait dans ma tête. Je me disais que les enfants avaient besoin d'un appui, mais un soutien particulier. Pour moi, les enfants, ce qu'ils voient à l'école, il leur faut quand même un peu plus de temps, plus d'affinité pour pouvoir comprendre certaines notions. Et en plus du Covid-19 qu'on a subi, je me suis dit que les élèves auraient vraiment besoin d'un soutien et auront vraiment besoin d'approfondir les notions vues en cours. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir un centre de soutien scolaire au Gosier. De plus, au Gosier, il n'y a pas de centre de soutien scolaire qui dispense toutes ces matières. Nous, on fait de la physique chimie, des mathématiques, de l'anglais, de l'informatique pour les seniors, du français et de l'anglais. Très bien. Que représente le centre du soutien scolaire, le secret de la réussite pour vous? Donc, comme je l'ai dit, c'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir permettre aux élèves de venir et d'avoir ce soutien scolaire qu'ils n'ont pas forcément dans les établissements scolaires et qu'ils puissent vraiment discuter avec leurs enseignants, prendre leur temps et apprendre vraiment en approfondissant les notions vues en cours. C'était vraiment un rêve pour moi de pouvoir permettre aux élèves de venir et de comprendre réellement ce qu'ils apprennent en cours. Parce que souvent, des élèves viennent apprendre en cours des notions, mais ils n'apprennent les notions qu'en surface. Ils n'ont pas l'occasion d'approfondir et de comprendre vraiment ce qu'ils ont vu en cours. Ce qui est vraiment dommage. Très bien. En tout cas, très bonne idée, monsieur Albéry. En tout cas, je vous félicite. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est l'inauguration. C'est pour oui, ça que nous sommes tous présents. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous sommes ici présents pour l'inauguration du centre de soutien scolaire. C'est très bien. Voilà. En fait, mes félicitations, monsieur Albéry. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.